Maintenant que tu as écouté ce poème et que tu l'as lu, nous allons l'observer attentivement pour voir comment fonctionne un poème. Tout d'abord, tu distingues des lignes les unes sur les autres et tu peux remarquer que la ligne ne va pas jusqu'en bout de page. On appelle ces lignes des vers. Ces vers commencent tous par une majuscule et ne finissent pas forcément par un point ou une virgule. Nous avons ensuite des groupes de vers. Ça, c'est le premier groupe, séparé du deuxième par un espace, séparé du troisième par un espace. Ces groupes de vers, on les appelle des couplets. Le premier couplet de ce poème comporte cinq vers, le deuxième cinq, le troisième cinq, et tous les couplets de ce poème sont composés de cinq vers. À la fin des vers, il y a ce qu'on appelle des rimes, des sons qui se répètent dans le poème. Cette première rime, je l'ai isolée, je l'ai coloriée en vert afin que tu puisses la reconnaître à la fin de ce vers-ci. Le et de boulanger avec le et de porte-monnaie. On a également ici en rouge le en de Matan qui rime avec le en de Attan et le en de Franc. On peut également s'amuser à compter le nombre de pieds que comporte un vers. C'est en fait le nombre de syllabes que l'on va retrouver dans le vers. Par exemple, dans le premier vers, on peut compter derrière la vitrine du boulanger, on va compter 9 pieds. Dans le suivant, une pâtisserie m'attend, 7 pieds. Dans le suivant, elle est là patiemment, elle attend, 9 comme dans le premier. Dans le suivant, je fouille dans mon porte-monnaie, 7. Et le dernier, quelle chance, 5 francs, un vers très court, 4.